décidé de devenir maréchal ferrant, c'est mon amour des chevaux. C'est le désir de les rendre plus confortables et de pouvoir les aider à mieux performer. J'établis la relation avec mon client en lui faisant comprendre que ma priorité, c'est le confort et le bien-être du cheval. Les gens pensent, étant donné que je suis une femme, moins forte, mais au final, c'est par d'autres moyens que j'arrive à pratiquer ce métier. Qui me permettent d'enlever les clous un à la fois, ce qui permet de préserver l'intégrité du sabot. Après avoir nettoyé, je commence à parer mon pied. J'utilise des pinces pour couper la corne qui a poussé. Ensuite, avec ma robe, je viens mettre le tout bien égal, bien à plat, pour ensuite poser mon fer. Je peux m'adapter aux chevaux que je rencontre en m'y prenant avec douceur et patience. C'est un travail extrêmement physique et exigeant qui est très demandant à tous les niveaux. Pendant que le fer est encore chaud, je le mets sur le pied pour prendre l'empreinte, pour vérifier si l'ajustement est bien fait. Avec l'enclume, j'ai la possibilité d'aller chercher la forme exacte du pied. Donc, ça me permet d'aller chercher les petits détails, les courbes, pour chaque pied de cheval pour faire un fer sur mesure. Le métier physique, le travail autour du cheval en tant que tel, n'a pas vraiment changé, pas beaucoup différent de celui de nos ancêtres. Ce qui a évolué, c'est nos connaissances sur l'anatomie du cheval et la biomécanique. L'importance du maréchal dans la vie du cheval et de son cavalier, c'est d'abord et avant tout le confort du cheval. Le dicton dit « pas de pied, pas de cheval », donc la priorité, c'est vraiment de mettre le cheval à son meilleur. L'importance de l'entretien des sabots est primordiale dans le bien-être et dans la santé du cheval. J'ai commencé à l'âge de 19 ans à travailler pour un maréchal qui m'offrait d'essayer pour voir si c'est quelque chose qui pouvait être intéressant pour moi à faire, voir si j'étais capable. Et après une journée à travailler avec lui, je me posais plus la question sur ce que je voulais faire de ma vie. J'allais en faire un métier.